Ça va et toi? Alors? Bah ouais, cool. Je t'ai vu hier soir. À l'Olympia. Oh, c'est pas vrai! De loin, je t'ai vu, tu t'es Ah marré. oui, ah oui, c'était un Et quand il fait super. froid à Paris, c'est magnifique. La pluie, j'adore la pluie. Ouais, bah moi je mets ma casquette. Hein. Ah ouais, tu mets ta Bah casquette? oui, comme ça je suis pas T'es trempée. protégé? Bah oui, c'est ça le principe. Ah ouais, c'est super. Parce que je suis contente. Ça va? Ouais. Oh, je suis contente de te voir, ça fait longtemps. En fait, j'ai pensé à ce que tu m'as dit et je pense que la peinture, c'est mieux. Tu penses à quelle couleur, toi? Bleu clair. Ah ouais, bleu clair, ouais, carrément. Non, mais voilà. Elle voulait pas comprendre que j'avais raison. J'étais obligée, j'avais pas le choix. Mais je te comprends, j'aurais fait pareil. Voilà, merci. T'as vu l'épisode de Tutti Tilico hier? Oh, mais bien sûr que je l'ai vu. Oh là là, oh, Robert. Oh, il est tellement beau. Oh, m'en parle pas. Moi, s'il m'appelle, je pars direct. Hein. Tout de suite, illico. Maman! Comment va? Bien, et toi? Oh, très bien. Mon fils, si tu savais comment je suis ravie d'aller au cinéma avec toi ce soir. Non, c'est pas vrai. On a gagné, c'est... Oh, on va voir Guillaume Canet. Ouais! J'adore les croissants. Quoi, mais c'est dégueulasse. Même à la télévision, ils disent que les pains au chocolat, c'est bien meilleur. Mais non, t'as rien compris. Moi, j'aime les croissants. Ah ouais, et t'es pas de mon avis. Écoute, de Paris pour aller à Bordeaux, tu prends la 10. Non, le GPS me dit qu'il faut passer par Deauville et prendre la A28. Mais c'est du grand n'importe quoi, ça fait plus loin. De Paris, la 10, c'est direct. Ah oui? Parce que tu sais mieux que mon GPS, toi. Si c'est comme ça. Tu viens chez Marie samedi? Je ne peux pas, je serai occupée. Occupée ou pas dispo? C'est pareil, non? Non. Non, c'est pas pareil, non. Moi, je dis pas dispo, tu vois. Et tu dois le dire comme moi. T'as réservé l'hôtel pour les vacances? Non, en fait, on va camper. Camper, mais je déteste le camping. Mais n'importe quoi, c'est formidable de dormir au clair de lune. Et puis à la radio, ils l'ont dit. Ça détend le corps et ça rapproche de l'essentiel. Mais j'ai besoin de mon confort et je m'en tape que ça rapproche de je sais On pas ira quoi. Au camping, comme ils l'ont dit à la radio. Comme ça doit être. J'adore les fêtes de fin d'année. Ah, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Mon prof de musique m'a dit que c'était un truc très commercial tout ça. Moi, je pense pareil. Aucune importance. Mais non, la famille, les amis. Les amis, la famille, mais quelle importance. Tu dois respecter les gens. Tu dois respecter ce que je pense. Toi aussi, tu sais ce que je pense. On va pas se tuer parce qu'on n'est pas d'accord. T'as pensé à un prénom pour l'enfant? Bernard voulait Anaïs, mais moi je préfère Martine. Mais c'est super moche, Martine. Martine à la plage, Martine à la mer. J'ai lu dans un magazine que Béatrice, c'est à la mode. À la mode, je m'en fous, moi, de la mode. Tu plaisantes, tu dois absolument l'appeler Béatrice, comme moi j'ai fait. C'est ma fille, je suis un peu ce que je veux, non? En fait, non. Tu dois faire comme moi. Ça me dirait bien un petit café, là. Comment ça, un café? Mais on déjeune bientôt. Et alors, j'ai envie d'un café maintenant? Non. Avant de manger, tu ne boiras pas de café. Je fais ce que je veux, tu n'es pas d'accord? Tu sais, mon fils, c'est comme ils disent. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Dans ma salle de sport, on dit que c'est pas bien d'être seul. Mais si, je te dis que c'est très bien. Et puis c'est mon choix. Ton choix? Mais réfléchis un peu. Si dans ma salle de sport, on dit que c'est pas bien, c'est qu'ils ont bien raison. Bon bah, tu ne comprends pas, mais on va pas se fâcher pour si peu. Je vais mettre ma robe bleue. Non mais elle est moche ta robe bleue. Mais plutôt ton petit jean rose, il te va super bien. Non mais il me fait des grosses fesses. N'importe quoi. Ma mère m'a toujours dit le rose a un fil rondeur. Elle sait, elle. Je mets du rose et toi aussi. Je vais pas mettre un pantalon juste parce que ta mère pense que le rose boudine moi. Et t'es pas de mon avis. Attends, qu'est-ce que tu fais? Arrête, mais arrête, arrête, c'est ridicule, qu'est-ce que tu fais? Ah oui? Parce que tu sais mieux que mon GPS, toi. Si c'est comme ça. Non, non, tu blagues, c'est ridicule. Non, c'est pas pareil, non.
Moi, je dis pas dispo, tu vois. Et tu dois le dire comme moi. C'est comme ça. Mais tu ne comprends pas que c'est pareil? C'est ridicule. Non, c'est décidé. On ira au camping, comme ils l'ont dit à la radio. Comme ça doit l'être. Encore? Posa, c'est ridicule. Toi aussi, tu peux respecter ce que je pense. On va pas se tuer parce qu'on n'est pas d'accord. Je dois forcément penser comme toi? C'est ridicule. Oui. En fait, non. Tu dois faire comme moi. Ou alors... Mais c'est ridicule! Non. Avant de manger, tu ne boiras pas de café. Je fais ce que je veux. T'es pas d'accord? Arrête, maman. C'est ridicule. Bon, bah... Tu ne comprends pas, mais on va pas se fâcher pour si peu. Non, tu as raison. On va pas se fâcher parce que tu penses différemment. C'est quoi, ça? C'est ridicule. C'est ridicule. Je vais faire comme je t'ai dit. Mais t'es malade! Dégage ce flingue. C'est ridicule. C'est ridicule. Bonjour, Jean. Non, mais c'est quoi, ça? C'est ridicule.